On est type A. Et on est même déjà dans la draft, les amis. Oh, j'ai laissé le. J'ai laissé le bail gentlemates, c'est pas grave. Ça tombe bien, il y a de l'e-sport aujourd'hui. Posez-vous confortablement, on va être en petit comité. Ça a lancé en mode. Ça a lancé en mode sauvage. Mais j'avais envie de game un peu avant que l'e-sport démarre et qu'on ait envie de suivre tout ça. Qu'est-ce qu'on a de beau aujourd'hui niveau e-sport, vous allez me dire. Et bah, il y a Rocket League. Et forcément, il y a eu TFT, Rocket League. Et ça sera tout pour aujourd'hui, puisque Valorant, ça sera dimanche. Mais ouais, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être très intéressés pour le RLCS Open Qualifier. La ronde suisse à 17h. En 2h. Tranquillou. Et puis, ça va continuer tout le week-end. Avec un gros dimanche, hein, normalement. Nous, on va être tranquillou, chillax. Focus sur nos games. Pépouze. Yo a dû. Bon, on va voir hein, si les games se gagnent facilement, ça ira. Ça ira à fond. Oh là là. On veut jouer, nous, on veut jouer. J'ai dogby pour les 75 subs. Je viens de voir sub ou pas sub. Oula, tu dates, toi. Je me rappelle, j'étais en déplacement. En plus, c'était très très drôle. Sub ou pas sub de Squeezie. Ok, last pick. Pourquoi tu fais que du là? On a lancé un petit objectif là depuis l'annonce Gentlemate pour montrer un peu à la communauté qu'on sait de quoi on parle et se faire plaisir par la même occasion. Vous inquiétez pas, je ferai du Valo avec les copains, on fera du Fortnite. J'irai même faire du Rocket League. Ça risque d'être affreux, mais. Jusque-là, on profite, on profite. En plus, là, marche bien. Ça régale. Merci Poupoule. Tu fais ce qu'il y a Elo? Bah l'objectif c'est master, hein, tranquillou. Ah, sans se précipiter, sans se torturer le cerveau et la vie. Ça finira par grimper si on a le level. Donc oui, j'ai regardé tes rediffusions en 2 jours de LoL, c'est sympathique à avoir en fond. C'est exactement le but, hein. C'est pour ça que bah, on met les VOD complètes aussi sur YouTube. C'est pour ceux qui ne veulent pas forcément les voir sur Twitch. C'est pour permettre justement de faire autre chose en même temps, de jouer en même temps. Moi j'aime beaucoup avoir un gameplay à côté quand je joue en même temps. Ça permet d'avoir des explications, de revoir des games. Par contre, j'ai demandé à ce qu'on mette le sommaire sur YouTube pour que vous puissiez voir peut-être des games avec des persos qui vous intéressent et vous ne pouvez pas tout check. Vous connaissez de jouer qui en support cette saison? Bah t'as un Nautilus là qui marche bien. Bah ouais. Ouais, ça va être le Yone, je pense, là. S'il valide le Way. Quand même trois personnages assez statiques.
Avec un singe en plus. Je suis pas super fan de TP à Anivia, mais bon, je vais prendre Ignite pour le coup. La Fizz, tu reçois la. Mais pourquoi vous aimez tant que ça, Fizz? On a déjà fait 2 ou 3 des games de Fizz. Pourquoi vous l'aimez autant, le perso? Ça a la cote, en tout cas, dans le chat. Fizz vs Sénagix, c'était vrai. Oh, oui, pour les assassins, de toute façon, mais. Fizz particulièrement est très aimé. Tu comptes Ansama au mid. Oh merde! Tu vois le master en combien de temps? Je sais pas, vu qu'on n'est pas en rush. C'est pas l'idée. L'avenir nous le dira. Si je m'étais fait un full rush, full tryhard. Sur un compte comme celui-là qui démarre tout en bas, j'aurais espéré en un mois, peut-être. On connaît le nombre d'heures qu'on aurait pu y mettre aussi. Mais vu que c'est pas le cas, je pense que ça mettra plus de temps. Mais tant mieux, ça fait durer le plaisir. Tu vois, j'ai un Yone maintenant qui commence à ressembler à quelque chose, je l'avais pas avant. J'ai un Sylas qui existe alors que je ne cliquais même pas dessus avant. On a peaufiné nos mécaniques sur pas mal de mages. Content finalement d'avoir fait ça et de pas être directement allé sur mon compte émeraude diamant où j'allais devoir jouer les persos que je maîtrise déjà. Full tryhard. Là on se fait plaisir et on va continuer. Juste farmer. Voilà, Shiv. Tranquillou. Mettre un coup de poche là-dedans, là, il pense pas que j'ai back. Shivana, on a dit, hein. C'est pas très dangereux en early. Pardon. Attraper un petit coup de froid.
C'est chaud ma gueule. Perfecto, le Beitos. Nice. Ça, je crois que c'est le first back idéal pour un Yone. Les bots en tout cas. Après bon, est-ce que j'aurais dû prendre la dague ou un peu de sustain et des wards? Peut-être j'aurais dû, mais bon. On peut picoter niveau 6. Bah, désolé, je suis un peu posé parce que j'ai attrapé un peu froid hier. Je sais pas vous, mais il caille sa mère en ce moment. Il y a des coups de vent là, assez violents. Hier en tout cas, c'était le cas. Même si ça va décaler côté wave, il faut que j'arrive à suivre. Je sais même pas si faut que je suive cette merde. Ok, bah il est mort, il a pas de. Il va s'échapper. C'est imperfect. Je pense pas que vous avez tué Shyvana aussi. Je vais voir l'XP du canon. Le chemin de la ruine. Je l'ai. Pas grave ça. C'est clairement un fast recall. Je confirme. Je confirme, c'est clairement un fast recall. Très bon là le. Attends, mais. Ok, ouais, non, ça fera rien d'autre. Pas trop quoi penser de Nico Jingley. Je mettrai fin à leur déprédation. Snowball, snowball, hein. Il y a moyen que Nico rattrape du coup la Shyvana. Ouais, et à un moment j'ai l'assist. Et j'ai l'assist, parfait. Perfecto. Ouais, je vois ce que tu veux dire, j'en ai marre. T'inquiète pas, ça bosse à fond sur ça, justement. Je suis pas sûr, enfin, j'affirmerai pas ce genre de choses, tu vois.
Mais je vois très bien ce que tu veux dire et ne t'inquiète pas que... Il va y avoir normalement du changement. Ou charismatique avec ta barre et ton attitude. Mais là je suis fatigué frère, je suis semi-endormi en jouant. Mais je kiffe, mais je sais qu'on va faire peu de games parce qu'après il y a Rocket League. Là c'est quoi le format Rocket League là? Quelqu'un a des infos? Parce que j'avoue que je sais qu'il y a un match mais je sais pas contre qui on joue, je sais pas c'est, comment ça va se passer. Oh le sbire de Nico, il va jamais les compter les sbires. Oh non, dommage, elle a go un peu tôt. Ça compte pas les sbires à cet elo. Normalement là j'ai le létal tous les jours. Sans un banquet de chagrin. Ah, je vois pas de kill, mais je vais au moins les sortir de la lane. Et prendre un flash. Très content. Un flash là-dessus. Il n'y a plus de flash, je crois que c'est Senna que j'ai fait flash moi. Si j'y vais avec un ulti-bot là, je me régale. Chaque trait forme un caractère. Il y a moins qui grid. Tellement toi avec ta TP de chien. Ah, je meurs quand même. Ah, putain. Nice. Bon, normalement, là, je suis censé la tuer et survivre, mais je suis un noob. Un noob. Mais bon, au moins, elle aura pas freeze farm. Mais la TP d'Anivia m'a tué. J'aurais dû attendre une ou deux secondes de plus. Et il avait pas besoin de tout ça. Je vais donner shutdown. Miam. C'est bien de démarrer avec des games comme ça là, c'est reposant.
Ouais, je stun les pièges, ouais, exactement. Les pyromasheurs. Les trois petits pièges là. Et je voulais ulti juste avant de rentrer dedans pour que le temps du stun soit pendant l'animation d'ulti. Ça a échoué. J'étais bien stun sur place. C'est ça qui reste un HP quand même. J'arrive à bien voir le bail de la marque. C'est quand tu es sûr de pouvoir kill. Bon là dans tous les cas je pouvais pas revenir plus tard je pense. Je comprends toujours pas qu'il a leur league game dans le match-up. Il comprend pas ça. On en reparle sur les side lane quand tu ne pourras rien faire. Interruption. C'est bien, ils ont pris des bonnes petites interrupts là, ça va rendre la game intéressante. Volume, je monte à fond. Oh, j'aurais dû tirer la wave avec l'ulti même. Ça aurait été plus rapide. Ouais là. Un smile brise, ça fait 12. Je ne chasse pas pour tout. Faut forcer ça, même s'il est feed le 7, ça reste un 7, mais bon. Un peu con, mais bon, on push en attendant. Là, c'est du plaisir, juste. Du combat plaisir. Et bang. Et bang. Ouais, j'ai tout pour le prochain teamfight, là. Ça va être mon fight. T'écoutes Skyrock? Quand j'étais petit, j'écoutais Skyrock, ouais. Bon, aujourd'hui, beaucoup moins, forcément. Quand j'étais petit, j'écoutais Skyrock. Non, après, nos téléphones, il n'y avait que ça, les gars. Il y avait radio. T'avais radio, c'est tout. Le téléphone faisait que la radio, les gars. T'as une playlist Skyrock. Ah ouais? Même pas là, c'est. Je crois que c'est Fresh Rap 2024, un truc comme ça. Un. Dans bolide allemand. Sad. Voilà, c'est. Si.
random. Il y avait de l'idée. Bon, loin ma team là. Vous allez loin après l'engage. Méchant Singe. C'est compliqué parce qu'ils ont une bonne compo team fight, ils ont pris des petits shutdown, tu vois, c'est un peu seul moyen de revenir dans les games. On a été sympatoche. Donc ça risque d'être intéressant cette fin de game bordelicos. Je vais commencer à speed push moi. Non, il va falloir que je me concentre sur ces proies faciles, hein. C'est pour ça qu'on avait pris Yone pour aller chercher Jinx et compagnie. Oublie le passé. Carnage ennemi. Fait qu'obscurcir le futur. Il va falloir les attraper. J'ai peur qu'ils aient une Ashor. Je ne suis pas là pour sauver leur âme. Avec le singe là, je ne le repousse pas. C'est bon, il est encore là. Il n'a pas bougé au... Oh. Ouais, c'est ça que j'ai peur, c'est que sans moi, ils gagneront pas les fights. Déjà qu'avec moi, ça va être compliqué. Ils gagnent plus trop les 4v4 là avec la Jinx qui est feed. Protégé par Wei, Cine. Ça y est, elle est partie pour eux. J'ai l'impression qu'il y a que le speed push qui pourra nous sauver maintenant. Après, ils vont pas Nashor, pas Shyvana. Intéressant. Pas de TP sur le singe. Intéressant. Ils vont pas Nash, ils vont pas Nash. Ils vont prendre des sous-sous. Est-ce que j'aurais pas attendre la Jinx moi? Pour arriver. J'aurais très bien envoyé le singe aussi, ouais, c'est plus le singe en proxy. Carré. Vas-y, faut aller faire une hard engage ici là. Faut qu'il vienne le 7 avec la TP. Maintenant, il n'y a plus que la chasse.
Bien qu'on se mette à 5 sur le Singe, ouais. Un wall. Oh, il est beau le wall. Il est beau le wall. Oh, oh, oh. Éliminé. Bon, tu vois, faut les hard engage avant qu'ils prennent quoi que ce soit. Hard engage avant qu'ils fassent quoi que ce soit. Quel niveau, elle a failli mettre un wall, ça sera ça un niveau justement. Sauver un McDonald's short. Et on en a un bon sauvé un. On aura qu'un peu. C'était ballsy hein, comme cool le Nash. Mais au moins ils ne l'auront pas eux. On a sauvé un sur le 7 Sama. Le perd pas, s'il te plaît, perd pas le Nashor. Ok, on arrive maintenant. J'ai dû faire l'ulti, je suis un guerrier. Je suis un guerrier. Je suis un guerrier. C'est dur, c'était pris au début. Ouais, ouais, mais après, mec, si, c'est le but du compte, hein. On joue, on grid, on. Ils ont pris les shutdowns, ça marche comme ça. On peut teamfight, ils prennent les shutdowns, bah du coup après, c'est que du teamfight les games. T'inquiète, t'inquiète. Je pense qu'il y en a plein dans le chat qui l'ont vu venir. Pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Il n'y a pas que le résultat qui compte. Il y a le plaisir, et là je prends du plaisir. On va retrouver les solus, c'est intéressant, parce que sinon ça s'annonçait free winac. Là, va falloir faire des big team fights, essayer de faire des big trucs parce que sinon il a eu le fight. Intéressant, j'aime bien. Je ne comprends pas comment je vais prendre Singe. Je suis dans la merde du coup. Bête Maokai d'aller dans le mauvais sens. Ils viennent vers nous, quitte à prendre le poison, ils le prenaient quand même.
Bon bah là, il n'y a plus de solution. Le plaisir prend fin à partir de 29 minutes 32 secondes. C'est finito. Plus de plaisir maintenant. On dit que c'est là son flash. Je crois pas à ce moment-là parce que là ils ont pris trop d'avance par rapport à ce que je vous disais. En gros, on avait gagné la game. C'est un peu troll, du coup ça la rééquilibre, c'est cool pour la qualité. Et là malheureusement leur avance fait que maintenant c'est eux qui ont gagné la game et eux vont pas troll pour la qualité. Donc le fun est parti. Simple. Basique. Et du coup là, on a que nos regrets de leur avoir rendu. Parce que eux sont pas drôles. Envie de se donner, moi je prends. Je sais saisir les opportunités. Boulot, boulot, boulot. Boulot, boulot tous les matins. Quel perso je vais jouer next? Je suis déjà concentré là sur la next game. On a eu ce qu'on voulait sur celle-ci. Katarina. Oula. Ce sera un first time là. Ce sera un first time pour le spectacle. Ah, on l'a pas sorti du coup pour l'instant. Le pire cela c'est les ping des gens je pense. Non. Non, non. Moi j'aime bien les pings. Ce serait terrible le sans ping. On oublie le visage qu'il cache. Tu penses qu'il manque quoi à Mate pour progresser en LFM? Malheureusement, on va pas le dire en live. Tu te doutes bien que là, en pleine saison, ça fait partie des infos confidentielles. Malheureusement, mais on pourra en parler en fin de saison, clairement. On pourra revenir sur tout ça en fin de saison avec plaise. Mais là, je pense que vous avez vu tout le monde, vous avez vu les joueurs sur les réseaux sociaux. Hein. Pas de sommeil, pas de repos. Rien de plus à dire que ce qu'ils ont dit. Scale trop hein. Là les 3 du bas là, même Shyvana, mais en vrai les 5 scale trop là malheureusement. La game a trop duré. Scaling GG. Ça explique aussi pourquoi on les avait autant défoncés en early game. Voilà pourquoi si vous voulez vous gagner vos games en tout cas, mais c'est bien cette game le démontre. Bah évitez de donner les shutdowns comme on l'a fait. C'est le seul moyen pour eux de comeback, récupérer les gold bonus que le jeu met à disposition. Parce que sans ça, notre snowball aurait été infini jusqu'au Nexus. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, je comprends que c'est fun d'aller fight. On a toujours envie de fight, moi aussi. C'est vrai qu'il était en 0-5.
Ouais, bon, c'est normal, hein, il est protégé par une grosse front lane. Et malheureusement, notre focus, il est sur les deux, là. Parce que Senna est aussi problématique que la Jinx, hein. Faut pas la négliger. Arriver au bon moment. Dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, les Tupas sont à eux, on peut plus en gagner un. Sauf gros mistake de leur part, non. Là, leur compo fait tout seul, c'est tout droit. Ouais, que je vais mettre oui là. Normalement, ils vont quand même finir, mais bon, peut-être qu'ils vont être tentés d'aller. Yes, sorry. Il était en chacune des teams l'année dernière. Je suis plus le gentleman. J'ai pas vu le message. J'en ai marre. Non. L'équipe LoL de gentleman a été composée petit à petit ou c'est des joueurs qui jouent déjà ensemble? Non, ça a été composé. Il y en avait quand même quelques-uns qui se connaissaient, mais. Mais j'étais pas encore là lors de la confection du roster. T'as oui, Nolou, j'ai loupé. Bah, si t'écoutais, on a gagné leur lit, on pouvait finir tranquillou en 1000, mais on a joué avec le jeu. Et du coup, en late game, malheureusement, même si on est 10 contre eux, on gagne pas. Donc ils ont gagné. Mais leur limit game, c'était intéressant. Late malheureusement était écrit d'avance si on y allait. T'aimes le trash talk quand on compète, ouais, c'est sympa quand c'est bien fait. Grave. En tout cas, moi ça a été mon époque. Avant, il n'y avait pas autant de caméras, autant de célébrités, autant de sponsors, autant de visibilité, donc on se permettait beaucoup plus de choses, même d'aller travailler le mental de nos adversaires. Et le trash talk en était une des opportunités. Par contre, on était les premiers à se checker à la fin de la game, tu vois. C'est genre, c'est pendant le match, tu vois, c'est pendant l'e-sport, pendant la compète. Mais en dehors ou... C'est vrai que le trash talk avant les matchs, ça n'existait pas trop. Enfin, en tout cas, nous, on le faisait pas trop. C'est plus là les communautés qui le font, mais du coup, les joueurs se le permettent aussi. C'est un peu nouveau, ça. Mais en gros, on est passé de giga trash talk à full bienveillance pour commencer à être... un peu plus accepté par le grand public, parce qu'il faut rappeler que pour vous, c'est normal, ceux qui découvrent l'e-sport là depuis peut-être 5, allez, on va dire 5-8 ans, ça commence à être un peu basique, mais pour l'époque, c'était vraiment... on était vraiment les fous, quoi, les fous de la société. Donc pour éviter d'être pris pour les fous de la société, on a dû un petit peu se lisser. Donc il y avait des règles très strictes sur le trash talk et compagnie, on ne pouvait rien faire. Donc en fait, c'est passé d'une giga liberté, faites comme vous voulez, à... full bienveillance, trop lisse. Même le mec qui d'habitude est teigneux commence à dire merci. ça sonnait bizarre. Ah, vas-y, aujourd'hui on a une sorte d'équilibre, quoi. Mais je trouve qu'ils ont quand même bien fait parce que sans ça, on aurait peut-être été vu comme oh, regardez, c'est agressif, c'est violent. Parce que les gens du quotidien n'ont pas la nuance. Si seulement ils savaient ce qui se passait sur un terrain de foot, même de joueurs pro. Même de Ligue des Champions ou de Coupe du Monde. Si seulement ces gens-là avaient conscience. Dans quel monde vit-il ? Dans quel monde vit-il ? Pour croire que les joueurs se font des petits bisous lors d'un corner, lors d'un coup franc. Bonne chance, mec ! Ouais, bonne chance, toi aussi. Eh bien, ouais, je t'ai frappé tout à l'heure. Dommage, t'as pas marqué. Merci, mec. Bon courage à votre équipe pour la seconde mi-temps. Merci mon gars, toi aussi. Ouais, ils sont sympas hein, les joueurs de foot entre eux. C'est une grande famille. C'est une très grande famille. Bah c'est un peu pareil pour nous.
T'as vu Messi qui dribble la mort là? Non, j'ai vu le corner rentrant qu'il a essayé de mettre. Mais qui dribble la mort? Non, non. T'es sûr que c'était pas un clip qui date? T'es tombé sur un TikTok. Les 10 meilleurs moments de Messi, tu te dis, waouh, il a fait ça hier. Il a dribblé un blessé au sol. Ah, ça, je l'ai vu, le blessé au sol. C'est ça pour toi, les dribbles de fou. Après, c'est smart de passer au-dessus du mec au sol. Tu vas pas mettre un coup de pied dans ton pote. Ok, cette action, je l'ai vu, ouais. Il lève le ballon au-dessus du blessé au sol. Et du coup, les mecs sont en mode, mais comment on l'arrête? On peut pas aller par là-bas. Moi, rageux que je suis, au sol, je mets la main. Je mets la main, j'arrête la balle. Tu vois pas que je suis blessé? Wesh! Vous voyez pas que je suis blessé? Sif, wesh! Le gros relou, c'est. Je lui prends une jambe, je lui prends la balle, je fais un truc. Je crois qu'il a rien vu, le mec au sol. Il est en train de pleurer dans ses bras. Je crois qu'il l'a même pas vu, lui, je suis même pas sûr. T'es contre Ezimo. Merci, frérot. Tu m'as fait rattraper le fait que je t'ai focus avec le chat, parce qu'effectivement, là, c'est très spécial, là, ce qu'ils sont en train de mettre en face. C'est vrai qu'un Gragou, là, ça serait pixel, hein. Ouais. Bon, non, là, ils ont trois carry, il faut leur rentrer dedans, là. Même le Rengo, coup de bidon, ça peut cancel un peu. Ça vient Paris, 17. Waouh, c'est la meilleure défense, c'est l'attaque. Par contre, Senna, ça va commencer à. Après, je sais pas s'il faut la ban, parce que c'est quand même late game. Et effectivement, si on n'avait pas troll, hein, parce qu'autant la game d'avant, je vous rassure, hein, c'est vraiment nous qui leur avons donné. Et encore, je vois que mes alliés ont pas trop compris. Tu vois, autant moi, j'expliquais en mode, bon, bah là, on est en train de leur rendre. Autant mes alliés étaient en mode, c'est normal ce qui se passe, mais restez concentrés. Je suis en mode, mais non. Tu vois bien que la game, on est en train de leur rendre. C'est pas grave. Hein. Pleure pas à la fin. T'as fait partie du truc. T'étais là dans les combats fun. Oh mince alors, peut-être qu'ils n'avaient pas conscience que ça allait avoir cette incidence. Moi, en tout cas, je pouvais vous l'écrire à l'avance, vu les drafts. Mais ce qui compte, c'était de montrer qu'on avait gagné leur lead, qu'on avait gagné le mid-game. Donc qu'en vrai, on pouvait finir la game propre si on jouait clean. Donc ça, c'est pour ça que c'est le plus important pour moi. Alors que là, c'est toute autre chose. Mais c'est vrai que du coup, j'ai envie de ban Senna, mais c'est parce que là, c'est les Senna qu'on laisse, tu vois ce que je veux dire, qu'on laisse revenir. Mais en vrai, les Senna, elles sont gérées en vrai. Donc c'est pour ça qu'il faut pas que je banne Senna. Reste un perso qui scale. Normalement, solo queue, tu peux clôturer. Mais c'est vrai que ça, là, dès que ça passe 35 minutes, c'est chiant d'avoir deux carry AD à gérer, quoi. Oh, je sais pas du tout, Zertrex. On fait vraiment pas attention à tout ça. Tu peux regarder sur l'OPGG si tu veux. Je sais même pas combien je gagne, combien je perds d'LP. Bon, on a un bon win rate, mais. Comme tu vois sur la game précédente, on n'est pas en ultime tryhard de la mort. On va essayer de chercher le meilleur win rate. On est en limite test, en gridou, en explication, en kiff. Et dès qu'il faudra, on se remettra dans le mode Giga Tryhard. On sait qu'il viendra ce mode Giga Tryhard, on n'aura pas le choix. Hein. Malheureusement, un elo là qui va arriver, j'aurais plus le choix. Je pourrais plus gridou, je pourrais plus être fun. Donc profitons-en, même si du coup ça ralentit notre progression, ça m'arrange, ça me fait faire plus de games à ce genre d'élo, donc ça nous permet de tester des choses. C'est pour ça que je trouve que ça va. Alors du coup, Gragou face à ça là, c'est plutôt un cadeau, hein. Le problème avec Gragou, c'est le côté corps à corps en lane. Remets-moi une auto-attaque, s'il te plaît, comme ça je mets mon spell. Je veux pas me la mettre. Merci. Ezreal Mi, c'est vraiment fort sur la lane. Après, c'est vrai que ça s'essouffle un peu. Enfin, ça s'essouffle. Il manque d'un bon midlaner pendant un moment de la game. Mais bon, c'est Ezreal, on connaît tous le morceau. Vous voyez qu'en lane, c'est insupportable. C'est vrai que j'ai surtout visé l'XP et non pas forcément les golds tout de suite. Parce que les golds, je finirais par les avoir. Après, on va quand même prendre ce qu'on peut prendre. Hein. Ce qui nous laisse plutôt. Oh, le tour, il fait plaisir.
Mettre ça pour le passif. Oh le canon. Oh le canon qui me troll. D'un côté. Normalement je dois base. Je sais pas si j'ai l'XP ici. En restant là, vous savez, vous pensez que j'ai l'XP. Ouais, je pense que j'ai l'XP d'ici, non? Je sais pas si j'ai l'XP d'ici. On va le savoir. Si j'ai l'XP. Ah, pas tout. Ah, j'ai pas eu les derniers. Bon, c'est un peu naze ce qui se passe, mais. Les drills. Ou alors me camper un peu. Permettre de revenir. On va pas pouvoir farmer beaucoup. Hein. C'était beaucoup mieux TP. Ouais, bah. T'avais 5 minutes pour le dire plus tôt. Hein. N'hésite pas la prochaine fois. Un peu tard là, mon ami. 4 minutes in-game. Un peu tard, mon ami. Mais oui, clairement là. C'est pas moi qui me prends le first gang d'Elise. Ça pique quand même, hein, Gragou. Hein. Ça pique le Gragou. Moi j'ai fait mon bac, j'ai un peu de stuff d'avance. Ce serait bien de le tuer. Un ennemi a été tué. Un allié a été tué. Moi j'ai le mana. Je peux le kill. Ouais, il est mort. Parfait. C'est les orbes rares qu'on attendait. C'est grâce à ça que je vais gagner ma lane. Sur du gridou. Il pouvait prendre son timing back TP. Il a voulu gridou. C'est pas moi qui vais m'en plaindre. Des gold, miam miam, voilà. Mini connu. Ni vu ni connu. Qui a pris des kills? Voilà, oui, celle-là. Bah, on a une compo qui est censée, ouais, les écrabouiller si on se fait pas trop exploser en lane. On a beaucoup de contrôle contre une compo comme ça. Cocon d'Elise, stun de Renekton, ultimate de Varus, moi. Techniquement, même si ils sont feed, ils sont pas censés trop auto-attaquer, quoi. On verra. Mais je suis d'accord avec toi, hein. Là, c'est l'inverse, quoi. Ils ont leur early game, mais s'ils nous sont pas en early, les gars, tuent la game. Bien aimé qu'ils se reprennent le Q là, si vous voulez un peu reculer. Nice le coup de tour.
Vous voyez pas la map, les amis. Vous voyez pas où sont placés les adversaires. Merci pour les conseils, mais... Regardez la map. Vous êtes trop focus sur le 1v1, du coup, vu que vous ne voyez que ça. Mais oui, oui, effectivement. Flash, eux, ils meurent. Au départ, on l'a. On l'a. Il est pas bête non plus, il le sait. C'est sûrement ce qu'il voulait que je flash. Vous serez tombé dans le panneau, vous. Il a beaucoup de value là, mon flash au mid quand même. On va se faire bolossage. Plus tu attends pour le spé. Ouais, plus il fait dégâts, exactement. Plus tu le laisses charger, plus il fera de dégâts. Je suis un peu dégoûté de ne pas l'avoir tué sur le combo. C'était pas loin. Classique Renekton. Jouer Renekton au top, c'est trop fort en ce moment. Il a pris un up. 14.4, c'est très fort. Je le sais, je l'ai joué hier avec Gotha. Aucune porte sortie, tu flashes, tu reviens, tu flashes pas, tu meurs. Choisis mon frérot. Aucune porte sortie. Je sais pas s'il avait son flash. C'est vrai que le trade d'avant, j'ai l'impression qu'il a dû le flash, non? Rush time le flash de S, si je le vois. En fait, le truc, c'est qu'il dash tellement, j'étais jamais sûr, c'est un flash, un dash. Je croyais que c'était moi qui bug, de quoi? Tu as touché ma maison, faites gaffe chez vous, ça peut arriver. Ça vient du ciel. Il gagne le 2v2 tous les jours. Enfin, on gagne le 2v2 tous les jours, vous l'avez compris. Quand je dis il, c'est Elise Renekton. Pas avoir peur. Mais je pense qu'il avait pas son flash le S. Il aurait flash là. Je pense qu'il aurait flash. En fait, rien que le move où il reste. En fait, je suis bête. Quand il reste là et qu'il veut rester dans les sbires, c'est qu'il a pas son flash. Sinon, il aurait dash flash. Donc en fait, rien que ça me donnait l'info qu'il a pas son flash. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il se savait condamné, donc il a fight. Si on gagne le 2v2, on gagne le 3v3 à la famille. C'est aussi mathématique que ça, là. Oh, il m'a cancel quand même. On va le slow. Il a quand même des gros dégâts, Gragas. Hein. Et regardez Renekton, hein, il est dans sa power spike. Il a commencé plus tôt que prévu. Et malheureusement, Ezreal, ça, c'est souffle. De lui mettre tout dans la tronche. Et du coup, Ace à 11 minutes. On aime bien ça. Jouer Renekton, la famille, c'est vraiment ce qui est actuellement très fort au top. Ça t'ouvre toutes ces top sides pendant les 25 premières minutes. Et là, maintenant qu'il a 4 kills, etc., il a gagné 5 minutes de plus. Donc là, maintenant, il va être chiant encore plus longtemps que prévu. Qu'on voit un gars. En vrai, ouais. En vrai, dans le match-up, je préfère avoir Renekton. Hein. Je sais pas si c'était ironique, je pense pas. Je vous jure que Rengar et Renekton, je préfère être Renekton tous les jours. Tous les jours. C'est fort, Gagas. Bah, après, ça reste encore à corps 1000, mais ouais. Ça, tu vois, regarde les golds. J'en ai moins que le S, mais je peux faire deux fois son boulot en dégâts. C'est pas la même catégorie de personnage. Lui, ça va être du DPS. Moi, ça va être un gros burst. Oula. Ouais, mais il a dodge. Regardez les dégâts.
Mais là, je l'ai anticipé son flash, hein. Et là, ça parle plus de mon ulti. Ouais, Doak, ton ulti. Tiens, mon ulti. Oula. Tiens, mon ulti, quand il pré-shot des flashs, ça dit quoi, les gars? Ça parle plus, hein. Ça parle plus. C'est le problème quand t'es un génie, t'es incompris. Les gens. Et les bêtes te jugent. Les gens bêtes te jugent parce qu'ils ne comprennent pas. Ils comprennent pas le move. Ah, et maintenant ils vont dire que c'est lui qui a mal flash. Bon bah écoutez. Écoutez, on peut jamais être content de soi. Voilà, et là vous allez dire, ah t'as pris l'ulti d'est et t'es nul. Voilà. Voilà, il m'a tué à l'ulti. T'avais raison, il m'a eu. Voilà, malheureusement, même si on leur donne des bounties, ils gagneront pas la game. C'est pas la même qu'avant. Mais bon, on va pas leur donner. On a déjà fait la game démonstration de... Vous avez vu comme c'est faire les bounties? Sur une compo qui scale. Autant, pour arriver à les réceptionner. Normalement, c'est pas censé être évident. Je pense que Pike le tuait tous les jours. Après, il a pas ulti. Il a peut-être raison. Renekton sur notre planète. Même s'ils vont à 4 top, je pense qu'il le tue pas. On va le savoir parce qu'il est riche, je pense qu'il va aller top. Votre équipe a détruit une tourelle. Ils vont tous aller top, je pense. Les dégâts quand même, hein. Ok, j'ai rien dit. Ok. Ok. Après, est-ce que vous êtes quand même apte à comprendre que si sidestep va à l'arrière, il est mort. Si sidestep va à l'avant, il est quand même mort. Je sais pas si vous arrivez à comprendre cette logique. Je pense aussi que ça, c'est peut-être un Dragon Blex, hein. Dragon Blex. C'est-à-dire que... Soit il meurt honteusement de mon ulti, soit il meurt honteusement du fait d'avoir esquivé l'ulti, mais... Vas-y, vas-y, vous allez encore dire que... Pourquoi t'as pris Gragas pour exactement ce que t'es en train de voir? Une game d'une facilité déconcertante. Contre leur compo. Une envie de donner des shutdowns, hein. Comme une envie de donner du shutdown. Lol. J'ai sauvé, non? Non, 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 c'était pas le cheat pack, ça va, j'ai eu peur. Mais je l'ai peut-être quand même sauvé. Je l'ai quand même peut-être sauvé. Je sais pas trop. Si je lui ai fait esquiver le grab, je sais pas trop. C'est passé un truc. Il s'est passé un truc. Pré-shot le flash in de Jean ou... il a touché là. Mais là il a flash Jean, on est d'accord. Moi je suis pas fou quand même. Il a flash le Jean. Putain, me dites pas qu'il a pas flash. Là, je suis à moitié endormi donc les flash je les vois mais je les oublie tout aussi vite. Je pense qu'il a flash dans le combo. Enfin, avant là. Mais le doute. Pourquoi t'as si peu de CS plus je suis nul? Non, parce que le match-up le permettait pas. Et ce qu'il fallait surtout, c'était d'accumuler l'expérience pour pouvoir avoir les dégâts. Parce que Gragas, il a quand même des dégâts sur les spells très élevés. Comme tu peux le voir là. Bam! Ça explose. J'ai même pas eu le temps de faire péter mon cul. Pour te dire. Pour te dire le manque de damage qu'il y avait. Alors que Ezreal avait beaucoup plus besoin de ses gold. Le pauvre Ezreal en 0-6. Pour la lane. Aïe. Ah, au moment où je dis ça, voilà qui sort le bout de son nez. On va jouer à mort sur la régène. J'ai le red buff, je suis Gragas, j'ai le passif. Vous voyez les damage que j'ai. Votre équipe a détruit une tourelle.
Bah ouais. Gêne au passif, au red buff. Après, faut être hors combat pour le red buff. Tu ne backeras pas si facilement. Oh, je crois que je gagne le trade maintenant. Il va dashou. Là. Oh! Alors, mais parlez de ce Gragou! Même le mec me dit wow, GG, parlez encore mal de ce Dragou. J'en fous le pré-shot, les frères. C'est juste que j'ai des temps d'avance contre des mecs qui sont. Moi, je joue plus, les gars, main en l'air. Je peux plus cliquer après ça. Wow, GG, le pauvre. Déjà que la game a été dure pour lui, il s'est pris un truc à la fin. Il aurait pu s'en passer. Terre dans le vide, par contre. Oh merde. Il aurait pu s'en passer. Tu vois le truc de putain là les gars, c'était en trop ça les gars. Genre là vous m'avez déchiré, ok, mais là ça j'avais pas besoin là. Mais en tout cas fair play de sa part de dire bon GG, tu vois. Fair play. Je sais pas quoi au nord ils méritent tous, mais on va dire Renekton. Joue Renekton. À côté il va fermer le jeu. Je pense pas qu'il mène aise. Mythe. Je vais voir son profil, il m'intéresse. Cette personne m'intéresse. Non, ouais, c'est un main Xerath. C'est un poker, ouais, tu vois. Putain, son Xerath, il a l'air d'être bouillant par contre. Tu vois, c'est pas un mauvais joueur, hein, donc c'est quand même cool de pouvoir faire ce genre de truc. Ça se voit que c'est un smurf. Tu vois ses scores. En plus, il joue des Velko Xerath, c'est quand même des gros pokers. Putain, j'ai eu de la chance qu'il joue son Wes là. Bon, il a l'air de faire moins peur en carriadé. Il a l'air de faire peur en poke, mais pas en carriadé. Son compte est niveau 31, c'est clairement un smurf. Ouais, ça se voit, les gars. Ça s'est vu à sa landing phase et tout. Malheureusement, son pic est un peu faiblard, quoi, au niveau des gars en early. Il lui manquait pas grand-chose pour ce feed. C'est un compte HTMDR, il a des games en bot. Ouais, bah écoute. Au moins, ceux qui pensent qu'on. Tu vois, ça montre aux gens qu'on les joue, les smurfs. Enfin, vous inquiétez pas, on est déjà dans des games bien plus élevés que les lots actuels, mais bon. On prouve par les actes, pas par les mots. Il doit être des astuces pour monter en élo en étant jungle. Ouais, faut savoir counter jungle. C'est comme ça que tu gagneras principalement tes games. Et donc, faut jouer des champions qui se permettent de counter jungle. Double effet, tu gagnes de l'avance sur l'adversaire et lui en plus de ça n'a pas le camp que tu lui as pris. Donc, tu joues souvent Gragas? Non, je pense que ça s'est vu. Mais je l'ai joué il y a longtemps, mais c'était un de mes mains il y a longtemps. Là, je crois que c'était la deuxième fois qu'on le joue au mid. Non, par contre, mon Yone est dégueulasse, faut que j'arrête. Hein. Mon amour pour Yone ne va que dans un sens, il nous fait perdre trop de games, Yone là. Bon, après, en vrai, celle-là a été gagnée. Et voir le graphique a été free win, mais on l'a rendu avec les shutdowns. On était à 6 gagols d'avance à 16 minutes, ce qui est largement le nécessaire pour clôturer. Et vas-y, après, je pense que c'est peut-être moi le déclencheur. Hein. Moi, je me suis fait plaisir, j'admets. Tu vois, là, je me fais tuer par Way. Je dis pas, hein, je suis clairement l'un des fautifs hein, dans les bounties offerts. Hein. Je suis clairement un des fautifs. Hein. Mais j'étais pas le seul. J'ai l'impression que c'était plus une ambiance collective. Auquel j'ai participé. Faut que je sois là, c'est montré là-dessus. Mais sur mon Gragas aussi. T'as pas aimé mon Gragou? Mon Gragou 60 CS en 10 minutes. Incroyable. C'est à quelle heure Rocket League? C'est 17h, non? Vas-y, si je gagne cette game, j'en fais une last. Si je la perds, j'arrête là. Je s'appelle Gragou, le champ est abusé. Contre un range mid comme ça, AD, non. Mais dans d'autres situations, genre, ouais. Je pense que c'est un bon pick contre des Yone, des trucs comme ça.
Les gros scalers corps à corps mid là. Tu dois bien les maîtriser avec ton Gragou. Avec le Q-spell, ça zone, ils peuvent pas trop farm. T'as un combo. Camille Azur? Je pense que Camille le destroy. Ouais, je veux le blanc là. Il a pas trust. Il a pas trust notre comp. Il a vu Azir et il a eu peur. Moi je pense qu'on avait la game tous les jours là. Non, j'avais swap avec le midliner les amis. Je pense que je vais jouer le blanc à des top et pas des balles les couilles, c'est bon, ça m'a saoulé, je vais pas demander. Et puis au vu de ton shampoo, t'as jamais pensé à Vigo Jungle? Si, si, c'était un de mes mains, bien sûr. C'était un de mes mains en jungle, le Vigo. Je dois avoir peut-être 80 games sur Vigo Jungle. Il y a un bon winrate, je pense. Hein. Un de mes persos préférés en Aram en plus. J'adore Vigo. Enfin, la stratégie est un peu complexe, c'est-à-dire que je dois beaucoup split push et ils doivent du coup défendre à 3 et bait pour que Fiddle les ulti, même en 4v4 ils gagnent avec l'ulti Fiddle, ça va bien bait. Maintenant s'ils se font fight avant que Fiddle se mette en place, ils perdront les fights. En Kaiser c'est un match-up un peu chiant. À cause de l'ulti mais bon.
Je l'explique parce que c'est quand même une stratégie compliquée à maîtriser en solo queue, surtout à cet elo. Ah, il va falloir sortir une bonne game là. Mais tu regardes le youtubeur Ego, ouais. Ouais, j'aime beaucoup ces youtubeurs un peu storytelling. Y a pas que lui, hein. Il y en a 3-4 que je regarde comme ça. Et le seul les vidéos d'Ego que j'ai pas vu là, c'est celle sur Faker. Je voulais attendre qu'il finisse la série, mais je crois qu'il a fini, non? 30 secondes avant l'apparition de Sbire. Le chemin d'or. Il vient de sortir la partie 2. C'est la dernière partie ou il y aura une partie 3? Approchez, approchez. Je vais faire disparaître votre jauge de PV sous vos yeux ébahis. Ayez confiance. Il y a trois sortes de mensonges. Ça commence. Les sacrés mensonges et les statistiques. Défaite en heure. Le chemin est d'or. Avant de compter. Oserais-je mentir? Premier sang. Patience, invocateur. Les sbires là. Beaucoup mieux que les sbires, c'est pas ouf. Thank you.
Pas très mal à site, malheureusement. J'aurais dû plus focus sur les CS et avoir un peu de stuff diff. J'ai senti que j'aurais pu avoir l'opportunité de le first blood. Il faisait des petites erreurs. Malheureusement, pas récompensé là-dessus. Normalement, le blanc, tu farmes, tu farmes, tu farmes. T'arrives avec un item là, dès que t'as l'électrocute, t'es. Le statique, t'es big. Et vas-y, à cet elo, j'ai envie de prendre un petit first blood, tu connais. On est revenu dans nos travers de farmer. Let's go, il a pas eu le canon. Là, tu vois, ça domine vénère. Mais des gros culs dans la wave. Vous ne vous attendez pas à me voir. Ok. Putain, c'est chiant, hein. Ah, c'est vrai que j'ai pas qu'à les Kregas. Il y en a eu combien? Il y en a eu deux. Les Kregou. Je veux des gold tout de suite. Je veux me pick tout de suite. Ah, faut que je tempo jusqu'à ma TP. Je pense pas que j'aurai un timing back avant. Je veux même plus le trade là. M'intéresse pas ton trade. M'intéresse pas ton trade. Non, j'ai... Oh, ça m'a fait flash, quoi. Oh. Triste ou douague. On va mettre ça sur le dos de la fatigue, hein. Mon Z et mon F un peu trop proche, j'ai envie de dire. J'ai juste dire, mais wesh. Le flash en place, le bug. Nouvelle strat. Je sais pas si vous êtes au courant, mais dès que vous avez votre flash en cooldown, vous avez 10 de dégâts en plus. C'est vrai que c'est une stratégie utilisée que par... les joueurs du super serveur. Ah merde, vous êtes pas au courant du super serveur? Ah merde, ça si j'aurais pas dû le dire. Du coup là je booste mon AD, je fais à chaque fois je le fin de backer mais je vais pas back. Hein. Je booste mon AD pour vraiment avoir un maximum d'auto-attaque. Une minute 10, la TP. Une farm 48 secondes. Ai-je menti?
350 sera parfait dans 23 secondes. Ah bah il a enfin compris, putain. On a laissé des free waves. Fais gaffe, mon ami. Les apparences sont trompées. Time. Et c'est là que la game commence, mesdames et messieurs. Je dois attendre la prochaine vague. Il est juste chiant. Erreur tout à fait classique. Un allié a été tué. Ah ouais, d'accord. Go, la game démarre là, mesdames et messieurs. Et ça part de là. Et directement l'agression du Dwag. Et directement l'agression du Dwag. Il connaît ses limites, il force le flash adverse. Si seulement il avait gagné son flash, le Dwag. Il va chercher la move speed. La move speed. Ah, tu meurs, le Dwag. On tank avec l'ombre, comme ça, si Evelyn, elle go dessus, elle met tout, elle lui met tout. Oh, il a failli. Oh, le Dwag! Oh, le Dwag! Oh, c'est big! Le petit. Oh, c'est big! Elle a eu un doute sur mon nom une seconde, hein. Je dis que ça commence d'un coup, hein. Désolé si j'ai pas prévenu, mais là, j'ai prévenu. Mais même moi, je suis choqué. Même moi, je suis choqué là. Oh le petit. Oh là là, le petit écart là. J'aime bien cette map. Bon, désolé pour la placos, mais c'est pas ma prio. Faut juste que je back. Qu'est-ce que c'est bien le blanc AD. Qu'est-ce qu'elle m'a manqué. C'était mon main. Ouais, la plaque, je pense, ça sert à rien là. C'est pas grave, on back vite. Elle a flash en plus. Ouais, c'est ça qui est ouf. C'est pour ça que j'ai hurlé. J'ai pris le flash. J'avais même pas mon flash, les gars. J'avais claqué mon flash dans le vide. Donc là, ils sont tous les deux nos flash. Moi, j'ai mon flash, j'ai pris doublé. J'ai double buff en plus, pour avoir red buff sur le blanc. Pas pour en profiter longtemps, mais c'est OP. Il a TP bot. Alors, je vais prendre des placos, c'est parfait pour mon split push. Non, je voulais pas taper ce bien. Ah les gars, je vais être vraiment gros moi. Charger le statique. On charge le statique. On push au statique. C'est bien. Hein. Il est encore bot, Mordekaiser. Oh là là, je vais tellement le deny. Et voilà, les gars, je l'ai pas dit dans la draft. Je vais split push et vous baitez pour un ulti fiddle stick et c'est gagné. Parce que bah du coup avec le split push ils sont obligés d'hard engage. Je l'ai dit dans la draft. Et là fiddle triplé, ce n'est que le début. Ça va être ça toute la game. Oh, il a tellement perdu de farm. Et lui deny toute la wave. J'ai pas eu la first tower, sad. Pas grave, c'est pour ma team. Votre équipe a détruit une tourelle.
Nope. Tellement de sustain en fait avec le jeu de jambes. Prends ton statique toi, prends ton statique, prends ça, prends tes coups, prends ta chaîne, prends tes coups, prends ton bolossage en direct mec. En 4K, en 4K HD mec. 4K HD. On le en... Oh. Dodger. Ouh. 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 La France t'a vu. La France vous a vu, vous étiez deux. Voilà le but de Leblanc, hein. Tu fais chier, tu pars, tu truc, tu fais chier, tu pars. Ils savent pas, ils doivent venir sur toi, ils doivent pas venir sur toi. Ils savent plus quoi faire. Alors du coup, c'est quoi ça? La ruée, la furtivité, l'énergie... What? Mec, je connaissais pas cet item, c'est incroyable sur Leblanc. Parce que du coup, t'as deux ruées. Comment ça énergise? Alors attends. Les ruées, la furtivité, l'énergie, vos attaques 75% plus vite. Quoi d'autre? Vos énergies infligent 100 points de dégâts physiques bonus et ralentissent des ennemis de 20%. J'ai un slow en plus. Waouh! C'est big ça. Merci pour le sub, Evan. Gaffe les gars, il y a Evelyn ici. Nope, nope. J'ai dit nope. J'ai redit nope. Et c'était Evelyn qui meurt. J'ai dit que c'était Evelyn qui mourait. Ok, elle va peut-être pas mourir. Tuez-moi tout ça, vengez votre douag absolu. Voilà, plus rien, ils ont tout mis. Oh toi, tu m'as manqué. Oh toi, tu m'as manqué. Perfecto. 3 pour 2, mais on a le Herald. Ils ont laté un bot potentiellement. Je vais TP après. Je sais pas s'il la casse. Ah, je pense qu'il la casse, hein, que je t'ai plus dessus. 700. 600, non, toujours, je t'ai plus dessus. Oh, par contre. Oh, par contre, on peut l'harceler. Oh, l'harcèlement. L'harcèlement. Allez, ça commence comme ça. Tranquille, tranquille, on va harceler. Ma grande spécialité. Enfin, en tout cas, dans le jeu vidéo. Et là, il pense qu'il me tue. Alors, je reviendrai jamais sur ma bail. Mon bail, mon frérot. Harcèlement, 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 harcèlement. Petite ward. Reviens ici. Flash là, auto-attaque, tac, tac. Harcèlement, toi tu meurs. Harcèlement, harcèlement, harcèlement. Lui veut tenter son move. Hop, prends ta chaîne. Raté. Hop, auto-attaque, harcèlement. Z ici, je reviens ici. Re-Z là, ici, attends pas, auto-attaque. Harcèlement, je reviens là. Harcèlement. Et là il a truc, sauf que je vais le dash chaîne, hop, auto-attaque avant, comme ça il dodge ça, il dodge pas la chaîne, tac tac, harcèlement, harcèlement, je dodge la double bombe, harcèlement, harcèlement, il est mort. Harcèlement, harcèlement, harcèlement. Et il expliquait en même temps, ce qui est dur. Harcèlement, 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 harcèlement. Oh j'y vais. Oh la TP bot. Oh j'ai quelque chose à ramasser. Oh oui. Oui le harcèlement, bonjour auto-attaque. Encore? Alors toi, toi t'as pas retenu la leçon toi. Alors ça c'est une chaîne déjà, ça c'est une auto-attaque avec un red buff. Ça c'est un pote à toi, enchanté. Salut, on se connaît toi? On s'est vu tout à l'heure un peu. T'inquiète pas, ça c'est ma Akali. Hop. Et regarde moi l'auto-attaque, on a pas besoin. T'aimes bien, bah y'a l'autre là, lui je l'aime bien, lui c'est mon pote, si vous pouvez me le laisser les gars. Vraiment, depuis la ligne phase on s'entend bien. Tu me vois arriver, tu le sais hein. Ouais. Il a pas le choix, il me voit arriver, il sait qu'il est mort, il préfère faire du 1 pour 1. Il a eu raison. Auto-attaque, red buff, auto-attaque, red buff. Bon, il y en a même eu deux. Hein. Un acheté, un offert. Par contre, lui, il va mourir. Hop, auto-attaque, tac, 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 chaîne, tac, tac, auto-attaque. Je risque la double bombe. Au moins une, mais pas deux. Et voilà. Il faudrait que je back un jour, quand même, dans cette game. Harcèlement. Elle va y aller. Goodbye, Caitlyn. Ah, bah non. Allez, tous les jours. Harcèlement. Et ça a douté de la draft. Dites-vous que ça a douté de la draft. Venez, on trouve un autre mot qu'harcèlement. Parce que je suis pas très à l'aise avec ce mot.
Bizarrement, ce mot, tu vois, il est fun, mais dès que je commence à hurler harcèlement, harcèlement, ah, je me dis que ça peut être réutilisé contre moi. C'est pas fun. Hein? Si quelqu'un a une propale. Ouais, Hagra, c'est pas mal, hein. Je pense, hein. Bon, le mec qui hurle harcèlement. Hein. Oh, il est où, il est où? Oh, pff. Il va venir warder, vous pensez? Approchez, approchez. Je vais faire disparaître votre jauge de PV sous vos yeux. Bien sûr que non. Pas son dos. Wow, vous étiez deux. Oh, j'étais pas averti sur la deuxième personne. Banks, 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 banks. Erreur tout à fait classique. Ni vu ni connu. Depuis le 3 mai 2024. Banks, banks. Oh non, je me suis montré. Oh l'idiot. Il est pas FK, je crois qu'il croyait que c'était mon ombre. Ah, je me suis montré. Mais c'est tellement worth, regardez ce que ma team fait en attendant que je split push. C'est la strat dit dans la draft. Je l'ai écrit dans la draft. Laissez-moi split push et faites le nécessaire. Ouais, je me suis sorti. Après, en fait, je voulais revenir sur mon nom, mais elle était plus là. Après, je me suis dit, je veux TP là, mais il fallait que j'attende les 2 secondes. Mais en fait, j'aurais dû attendre ici, faire ça et dash là. Et elle me tuait plus. Et venir là. Ou même repartir là, repartir. Mais j'étais safe. En vrai, dites-vous que je pouvais être safe. C'est ça qui est fou. Et en même temps, je pouvais être safe. Par contre, la vraie surprise, c'est Ultimate Mordekaiser pour que son pote vienne. Et sorti Ultimate Mordekaiser, il y a son pote. J'étais en mode, j'avoue ça, j'étais pas prêt, frère. Tu sentais que le Mordekaiser, je le travaillais, je préparais mon terrain. Pour moi, c'était pas logique qu'il soit deux à la sortie, quoi. Deux doigts de TP, là. Hein. Ok, j'y vais. Quel monstre. Exactement ça, le bait à 4. Sur les négo 80 000. Annonce la dot. Bah Manx. Et... Il est mort, il y a ses potes. Ouais. Ah non, il n'y a pas ses potes. Non. Ah si, si. Rassuré. Putain, il fait que cette technique, c'est smart ça. Ça me contre totalement ça. Je ne vois plus rien et d'un coup ils sont deux. Belle paire, belle paire. Il a prédit le Q. Bah en fait il savait que si je reste là je meurs par son mate. Du coup il y a une proba que je revienne, ouais. Une grosse proba que je revienne. Parce que là je sortais de l'ulti là. Mais bon c'était un peu forcé ce big fight, je l'admets. J'ai quand même eu envie de me prêter à la fête. Mais le blanc AD c'est pas forcément fait hardcore pour les teamfights. Vous voyez bien que mes dégâts en fight sont un peu maigres. On va avoir le temps de les poser. Mais c'est plus la mobilité, le côté savonnette qui peut carry des games. Genre là, j'hésite limite à les push en permabot. Je pense qu'ils ont juste à me laisser me mettre en place bot. On a tous le raid ou pas? Ou c'est trop tôt? Oh, on l'a tous. Ils sont deux bots, ils peuvent nash. Regardez ma ward. Pouk, pouk, pouk. Par contre, mon flash, il est parti où, frère? C'est moi cette game, je vais commencer à tilt. Mon flash il est parti où frère? J'ai flash de là à en haut. Et j'ai l'impression que j'ai flash sur place. Genre comme si ça me faisait bugger. En gros là je voulais esquiver son spell et j'étais safe. J'ai flash dans son ulti hein.
en haut de son ulti. Mais ça m'a flash sur place. Ou après. Malheureusement, après, j'ai plus grand chose. Ça flash pendant le passif. Ah, waouh, le Unlucky. Merci, mec. J'avais pas l'info. Parce que je me disais c'était bizarre. Ok, waouh, le Unlucky de mort. Possible, hein. Possible. Ouais, possible, possible, possible. C'est le seul truc qui, du coup, paraît. Plausible parce que pas de raison que ça bug. Non, non, mais je pense que c'est ça. Hein. Je pourrais revoir le clip au ralenti. Ah, le problème, c'est que là, maintenant, en speed push, je suis plus la menace que j'étais il y a quelques minutes. Je fais plus aussi peur là. Depuis qu'on n'a plus le droit d'utiliser le mot interdit, on n'y arrive plus. Un avocateur a quitté la partie. On va s'en remettre à la stratégie initiale. Aïe, 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 cette Evelynne. Je suis inquiet. Je sais que j'ai pas la game entre les mains. J'ai le split push entre les mains, mais ce n'est pas la game. Surtout que Mark Kaiser, vous avez vu, peut commencer à au moins me renvoyer les waves. Donc j'aurais pas le push infini que je voulais. Chose dans le shop là. Même l'utilité, c'est smart parce que du coup elle peut pas se tromper avec mon clone. Il n'y avait pas de porte de sortie. Et on a eu notre tourelle. Juste qu'ils arrivent à gagner une fois un 4v4. Oh, je crois que ça allait cancel. Attends, mais c'est moi ou il a incanté son ulti super vite. Ouh. Aussi vite qu'il a disparu. C'est pas Zonia. Voilà, Evelynne, elle est. Moi, je vous l'ai dit, jouer Evelynne, les gars. C'est free yellow. Je pense que les Gracali tuent les deux et on a peut-être Nashor là-dessus. Hein, pour le respawn. Pour le respawn de Fiddle. Vas-y, go back. Baited. Bon, Evelynne est morte. La régène, la régène. Okay, c'est quoi ce Mordo là? La merde, ça. Et
erreur tout à fait classique. Je pense qu'elle peut pas le défendre. Laissez-leur, laissez-leur. Ouais, normal que le blindé, tu finis toujours par avoir un, deux niveaux d'avance. Là, malheureusement, on n'a pas eu le temps. Oh non. Oh, oh la chatte qu'elle a eu. La chatte qu'elle a eu que je reviens dans le bisou. Oh, oh là là. On l'a vu. Oh, il est même pas niveau 16, Fiddle. Salut. Salut niveau 2. Oh là là. Oh là. Oh, c'est loose. C'est loose, c'est loose. Ouais, je comprends le slash FF là-dessus. On se sera au moins bien amusé sur cette laning phase. Mais on gagne pas en top lane, on gagne pas. Mais bon, j'ai pas l'avance que je devrais avoir. Faut vraiment pousser, pousser, pousser. Dommage qu'il ait pas son ulti en 3. On va défendre, on va défendre. Aucune ambition de survie. Et Vi, c'est trop fort en solo queue, les gars. Banner ça ou piquer ça. Evelyn, c'est broken. Ça contre bien le speed push en plus. En fait, pourquoi c'est broken Evelyn? Bon, déjà parce que Fufu et les gens ne savent pas warder contre ça. Donc, du coup, a beaucoup plus d'opportunités qu'avec plein d'autres junglers. Et de deux, l'ultimate qui te rend super safe. Ça, c'est vraiment ce qui la rend OP. Cette capacité, au pire, ça se passe mal, tu disengage. Ça, c'est vraiment fort. Mais au moins, vous avez vu la puissance de Leblanc AD que ça peut avoir au niveau de la Hagra. J'avais dit que si je perdais, j'arrêtais là. 17h, j'aurais bien aimé en lancer une. Mais vas-y, je crois que ça va être le moment pour Rocket League. On reviendra peut-être ce soir. Peut-être ce soir. Je sais pas. À quelle heure ça finit à peu près l'e-sport? Je me rends pas compte combien de temps ça dure à chaque fois Rocket League, ça va durer au moins jusqu'à 22h, 23h, non? Je sais pas si ça peut intéresser les gens un live le soir. Même limite de nuit, tu vois. Enfin, de nuit, genre à 23h, tu vois. Ils ont jusqu'à 3-4h, 2-3h peut-être. Je serais meilleur tout à l'heure, promis. Là, je venais de me réveiller, pour être honnête, là, avec le coup de froid que j'ai pris hier. Je serais meilleur tout à l'heure, croyez-moi, je serais dans mon pic de personnes. Il y aura toujours 2000 personnes, t'inquiète. Vas-y, bah si vous me promettez d'être au moins 2000 ce soir, on fera beaucoup de games. Sinon, je m'échapperai. Promis. Oh, vous êtes mimes. Allez, on y va du côté de Gotaga là, pour aller suivre Rocket League. C'est la suite stage, hein, la round suisse des RLCS. Et c'est le top 16 qui joue. Donc là, enfin, les games normalement vont être très intéressantes. Slash Red Gotaga, prenez soin de vous. Et à tout à l'heure, peut-être. On se dit ça, à tout à l'heure. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui.